Bonjour à tous et bienvenue sur Scoop. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour On ne se remet jamais. Sheila fait de rares confidences sur la perte de son fils Ludovic. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. 8 juillet 2017, Sheila a annoncé la mort de son fils Ludovic. Sheila a la douleur d'annoncer le décès de son fils Ludovic, survenu dans la nuit du 7 au 8 juillet à l'âge de 42 ans. Une nation aura lieu en intimité familiale. Afin de respecter une mère en deuil, il n'y aura aucune réponse par Sheila et son entourage. Dimanche 4 septembre 2022, Sheila était l'invitée de Michel Drucker. Elle est venue présenter son 27e album. Elle a fait de rares confidences sur la perte de son fils. En effet, l'une de ses chansons de ce nouvel opus est dédiée à Ludovic. On était très attachés à ton fils, a commencé Michel Drucker. On doit rappeler que le fils unique de Sheila avait travaillé dans son émission comme assistant. Quand j'ai lu le texte de la chanson La Rumeur, la fameuse rumeur qui t'a poursuivi pendant de nombreuses années, objectivement, je ne sais pas comment tu as refait surface après ça, a déclaré l'animateur. Parce qu'une calomnie comme ça, c'est une unique dans l'histoire du métier. Après avoir abordé le thème de la rumeur, Sheila a expliqué en quoi cette chanson était liée à son fils. Que vous dire ? Ludo, vous le voyez, il est beau, il est là, a-t-il commenté en montrant une photo. Il a une vie qui n'est évidemment pas celle que j'aurais choisie pour lui. Après sa route, c'est sa route. Elle a évidemment beaucoup traumatisé la mienne parce qu'elle est partie de l'autre côté. Et malheureusement, les parents qui perdent un enfant, on n'en saura jamais, jamais. Il faut le savoir. Elle explique un déchirement interne que vit une maman. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.